Les gars, vous allez être contents aujourd'hui. Ah bah, y a intérêt. Hein. Vu comment tu nous l'as mis à l'envers avec le braco de la bijouterie. Ah mais justement, j'ai mieux. Allez, vas-y, balance. C'est à propos de votre femme. Ma femme? Ouais. Mais je n'ai pas de femme. Ah non, il n'y a pas de femme. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis catégorique. Ah donc on parle bien de votre femme alors? Non, du coup. Je veux dire, oui, je n'ai pas de femme. Je répondais par la positive à la négative. J'ai rien compris là. Bon, il a pas de femme, point. On va pas passer la journée là-dessus quand même. Votre ex-femme? Ah putain, c'est reparti. Bon, c'est ça ton gros coup, hein? Tu nous as fait venir pour ça, tu te fous de ma gueule? Ou c'est peut-être de ta femme qu'on parle en fait? Ma femme? Mais qu'est-ce que tu vas me casser les couilles avec ma femme? Mais quoi, toi non plus t'as pas de femme? Bah non. Enfin, si, mais c'est compliqué. Oui. Ah bon? C'est compliqué comment? Mais mets-toi ton cul là, pourquoi tu me parles de ma femme? Hier soir, je l'ai vue au sous-sol du Diamond Club. J'étais avec des mecs qui étaient un peu bourrés, ils disaient que c'était la femme d'un flic, et puis mais tu me connais, moi je vais toujours au bout des affaires, tu vois, je suis enquêteur. Ah oui? Et... Bah du coup, elle travaille au service VIP depuis quelques années, et j'ai appris que c'était son mec qui avait chopé le gang du braco de la bijouterie la semaine dernière. Et du coup, moi j'ai directement fait le lien. Mais le lien de quoi? Le braco de la bijouterie, hein, c'est moi qui vous ai tout dit. Bon, tu sais quoi? Tu vas être témoin d'un meurtre. Tu vas être obligé de me coffrer. Mais ça va être prémédité. Non, c'est vrai. Mais quoi? Ben, le détective à qui vous avez donné le tuyau, c'est Gérard, c'est pas nous. Ben du coup, c'est la femme de Gérard. Vous êtes sûr? Oh putain, allez, c'est parti, appelle le légiste. Ah oui, là, plutôt complètement sûr, hein, au vu des éléments que vous nous avez donnés. Mais du coup, elle a disparu, votre femme, ou pas? Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein, mais vous devriez peut-être penser à tourner la page, non? Ben, regardez dans quel état ça vous met, c'est... Ouais, t'as sûrement raison. Bon, je vais me casser. Non, mais on est en plein après-midi. On va faire une autre enquête, d'accord? Ça va vous faire du bien, ça. Ça va vous redonner de l'air. Bon, je vais rentrer chez moi. Oui, c'est bien aussi. Je vais vous couvrir auprès de la commissaire, d'accord? Mais je m'en branle, la commissaire.